Chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes tous bien portants. Je voudrais juste interpeller nos politiques. Vous savez, Mobutu, lorsqu'il a créé le multipartisme, dans sa tête, il y avait l'idée de trois partis seulement. C'est-à-dire le MPR, son parti, l'UDPS et le PDCI à l'époque, le parti de Papa Iléo Songoamba. Songoamba, avait-il tort? Aujourd'hui, j'ai dit non. Il avait raison. Comment voulez-vous un pays comme les États-Unis, avec 328 millions d'habitants, il n'y a que deux partis, deux grands partis qui dominent. En France, on n'a que deux courants politiques, la gauche et la droite. À côté, vous avez l'extrême gauche, l'extrême droite, mais au moins, il n'y en a que deux. Mais chez nous, avec, jusque là, on nous parle de 80 millions d'habitants, peut-être 100 millions, 500 partis politiques. 500! 500! Comment voulez-vous que les choses s'organisent? Comment voulez-vous que les choses aillent mieux? Tout le monde veut être député. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être PDG. Tout le monde veut faire la politique. Voilà pourquoi, ça fait bientôt 6 mois, je ne sais combien, que le pays est à l'arrêt. Pas de gouvernement. Pas de conseil des ministres. Rien, rien, rien. Le gouvernement n'arrive pas à sortir suite aux caprices des politiques. Parce que tout le monde veut être ministre, parce que mon parti est très populaire, parce que notre parti est très majoritaire, notre parti n'est pas bien représenté, nous n'acceptons pas, nous ne pouvons pas avoir 2000. Et entre-temps, Congolais au Koufanega. Et Mbadi. Que Saloki foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous.